Premier vrai pas en RP, j'espère. De Denis Duval. C'est parti. Assez compliqué, hein. C'est compliqué, j'ai des petits soucis d'interface, mais ça va venir. Ça va venir. En tout cas, j'ai pêché un poisson. Et du coup, un jeune homme bien sympathique m'a dit que je pouvais vendre à certains endroits. Où il y avait un petit tapas quelque part. Non. Non, non, enlève ça. Enlève ça. Merde. Voilà. Ah là-bas! C'est loin, hein? C'est pas cheval, moi. Bon, j'ai toujours pas trouvé de jumelles. Ça commence à être un souci. Mais ce petit port de pêche est fort sympathique. On va aller un petit peu s'éloigner. J'espère qu'au niveau nourriture, je suis bien. Vu que j'arrive pas à voir. On va supposer que oui. Hein. J'ai du stock, au cas où. Sacrément fréquenté, ce petit port. Mais il tombe vite, ici. Mais aussi, bah oui, bien sûr, bah les deux, hein. Eau et nourriture, il va falloir trouver une petite solution. Pourquoi j'ai plus de sous? Donc, alors. Hein. On va s'éloigner un peu et puis on va pêcher, je pense, pour se faire des sous. Et puis voilà. Ok, bon, je testais quelque chose, mais on peut voir qu'il pleut. Voilà. Il y a un chapeau, mais quand même. Si on croise des gens pour demander pour les jumelles. Faut que je me recense aussi, mais faut que je trouve un shérif pour ça. C'est quoi en face? Un café. Bonjour. Bon, mon précis. Et là, c'est quoi? Oh, je sais pas. Je vais demander pour les jumelles et pour un shérif. On va voir ça avec les gens. Oh, ça tombe, hein. Bon, allez, c'est une bonne. Oh, bah, y a drôlement du monde ici. Bonjour, messieurs. Bon courage. Allez, bonne soirée. Bonjour. 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 Allez, bon courage à vous. Saucy. Dites-moi, messieurs, ouais. Y a pas l'un d'entre vous qui pourrait me dire où je pourrais bien trouver un shérif quelque part? Il vient de partir. Ah, c'était cela. Voilà. Avec le manque de lumière, je voyais pas bien. Marcher dans les plantes.
Bonjour messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir, oui. Dites-moi, vous seriez pas shérif par hasard? Bah, oh, vous avez tapé dans le mille. Oh, yes. Mais oui, c'est votre petite étoile là, ça m'a donné un furieux indice, j'ai envie de dire. Dites-moi, il semblerait qu'il faut que je me fasse recenser, je viens à peine d'arriver, on me l'a dit. C'est ça. Alors, bah, comment procède-t-on? Eh ben, je crois qu'à part nous, je crois qu'il y a personne au bureau, mais on va pouvoir y aller tranquillement et on va vous faire ça. D'accord. Très bien. Allez, on attend juste que. Il est passé où? Ah, il est là. Voilà. Je passe au bureau pour recenser madame. D'accord. Vous pouvez nous suivre, madame, je vous en prie. Ouais, d'accord, très bien. Recenser un fantôme. Okay. Il a des petits soucis de vision. Ah oui, oui. De la pied, malheureusement. Je sais me faire très discrète aussi. Hein. On voit ça. Madame, comment? Madame Denise Duval. Enchantée, madame Duval. Duval, pardon. Pas de soucis. Et vous, quels sont vos petits noms? Bon, vous êtes nombreux, mais je pourrais peut-être réussir à tout retenir. Charles, moi-même. Charles. Et je vous laisse vous présenter les autres. Et toi, tu dis des bêtises. Qu'est-ce que tu dis, Afoué? Bon, Afoué est la personne qui vient de rigoler, hein, justement. Bah, moi, je suis papa Afoué, là. Afoué. Moi, c'est Kayden, c'est qui juste devant, là, à votre gauche. Kayden, très bien. Il y a la personne qui vous voit pas, John. Ah oui. Alors, laissez-moi une petite seconde, à part si quelqu'un veut faire le recensement. Ah bah justement, Kayden, il est où Kayden? C'est un nouveau, je vais lui faire justement. Très bien, je vous attends. Kayden? Ouais. Tu vas t'occuper du recensement de madame. Ouais, donc tout nouveau citoyen qui arrive en ville doit se faire recenser dans un des bureaux de très bien. Un, deux, trois, je vais arriver, un des bureaux de shérif, dans n'importe quel comté. Donc si tu vas voir dans le carnet normalement, dans le petit carnet, celui que James t'a donné, pas celui de Denis, mais tu vas pouvoir, t'as un endroit où tu vas pouvoir contrôler tous les recensements, un endroit où tu vas pouvoir en ajouter. Ok. Et là je te laisse récupérer les informations de madame, sachant qu'il va falloir faire une photo, etc. Mais ça on le voit à la fin. Ok, pas de soucis. Pour l'orthographe. On fait des photos, dis donc, pour le moment moderne. Exactement. Vous êtes fait magnifique. On va prendre votre tout à fait. Vous inquiétez même pas. Si malheureusement je vais devoir vous demander d'enlever le chapeau pour la photo. Ah. Alors, je vous demander quelques petites informations, ma brave dame. Oui. Nom et prénom, s'il vous plaît. Denise Duval. En un seul mot, Duval. Votre date de naissance. Je suis née en 46. D'accord. Vous l'auriez un jour, un mois, peut-être. Ah oui, pardon, en juin. Le 21 juin. Et en combien? Excusez-moi. 1800... combien vous avez dit? 60... Oui, oui. Je sais plus. Ah oui. Madame. Oui, excusez-moi. Oui, attendez, je vous demande un tout petit instant. Oui, mais bien sûr, pour les tout beaux temps. Non, parce qu'à mon âge, vous savez, les années... Je comprends tout à fait, ma brave bon, dame. On a un shérif adjoint qui est aussi sur... Non, je vais m'arrêter là, dire des conneries. Oui, je vous en prie. Hop. Merde, j'ai oublié. J'y ai arrivé. J'y ai arrivé. Pardon, 43. 1843. Très bien. J'ai dit 46 tout à l'heure, mais c'était pas 46. Parce qu'en fait, je l'ai modifié son année de naissance, c'est pour ça. À Rouen, en France. Oula, c'est long. Ah, tout à fait. Et la ville dans laquelle vous habitez? Je viens juste de débarquer ici à Blackwater. Donc pour le moment, vu que je viens à peine d'arriver à l'instant, je n'ai pas encore trouvé où me loger. D'accord. Bon bah c'est bon, il manquera plus que la petite photo. Très bien. Comment ça se passe du coup, Charles? Est-ce que tu sais prendre une photo et rajouter et la lier à ça ou pas? Je pense, oui. Ouais, tu peux essayer, sinon tu me dis. On a un appareil ici ou pas?
Je crois que t'as un appareil dans le... Oui, dans le coffre. Vérifie. Okay. Sinon, on revient du moyen du bord. Mais... On va voir ça. Ouais, t'en as. T'en as 3, au cas où. Bonsoir. Hey Floyd. Bonsoir. Madame Duval. Oui, Madame Denise Duval. On va se mettre où pour qu'il y ait un petit que ça soit bien éclairé surtout. Oh, vers la porte, je pense. Ouais, mettez-vous ici au niveau de la porte. Juste retirez votre beau chapeau, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, très bien, très bien. Il est très serré, je... Oui, bien sûr. Il va falloir quelques instants. Olé. Oh là là. Ouais, c'est normal. Je vais l'enlever, hein, je vous le jure. Pas... Non, mais ne vous énervez pas. C'est un joli chapeau, je crois. Parce que oh. Ouais, il est même assez rare, je crois qu'il n'y en avait eu que 3 de cette collection, non? Ah, tout à fait, c'est un cadeau. Ouais. Parlez extrêmement fort, collègue. Pardon. Ah bon, je suis pas fort, l'habitude. Non, c'est des vêtements. Attendez, contre, je... pour les photos, faut retirer le chapeau. Oui, oui, je cherche ça. Tout... Oh, pardon. Ah bah merci. Oh mon dieu! Vous avez une sacrée droite! C'est bon? J'ai plus de chapeau! Oh, j'avais la gueule de fou! C'est vrai que c'est un magnifique chapeau. Ouais. C'est vrai que c'est. Ça, c'est pas un absent, ça vaut bien! Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible! Ah non! Ah, elle est pas mal ton chapeau! Ah non, non! Mais excusez-moi, c'est... Il a pas choisi. Tu peux porter plainte, hein, tu sais, si on te contraint aux choses, il y a pas de souci. Oh merde, bah je suis désolé. Putain, je m'excuse tout autant, ne vous inquiétez pas. Ah bon. Ah oui, oh, bah, Prends la photo, madame. Oui, je vais prendre la photo. Allez. Je peux zoomer un on va marquer ce moment d'une photo de ma fille, ce sera bien. Ah, mais vous rappellerez de votre recensement, madame, c'est bien. Madame Duval. Vous savez qu'on pourrait vous arrêter pour agression sur homme de loi, là, c'est fou. Ah oui, oui, mais c'est pour ça, je m'en excuse tout à fait. J'ai envie de dire que je l'ai payé tout de suite, quoi. Et en plus, sur un nouveau, il vient d'arriver aujourd'hui, madame Duval, sincèrement. Oh, quel accueil. Comme quoi, c'est un métier difficile. On le dit tous les jours, oui. C'est eux, ne jamais faire eux devant quelqu'un. J'interromps tout le monde, les gars, rassemblement église au plus vite, pour des apaches, on va leur parler. Ah, bah, tu restes ici pour faire le rechargement, tu nous rejoins après. Ouais, et tu nous rejoins après. Tu vas y arriver. Oh, bah, c'est fini. Oui, on avait tout fait, hein. Oh, c'est tout bon, bah, je suis encore désolé, mais bon. Bon, monsieur, je m'excuse tout autant, mais. Ouais, merci pour votre compréhension. Mais y'a pas de soucis, mais écoutez, vous pouvez reprendre votre petit chapeau. Ah, oui, tout à fait. Bah, je vois pas. Oh, j'ai dû le reprendre parce que je vois pas. Ouais, ça marche. C'est pas bien grave. Ouais, merci beaucoup en tout cas, allez, bon courage. Très bien, je vous raccompagne. Une très bonne soirée en tout cas. Bonne soirée à vous. Oh putain, c'est eux la touche pour saisir les gens à la gorge. C'est eux, voilà. Oh bordel, bon, attendez, faut que je sache là. J'ai voulu faire E parce que je pensais que c'était une route de trucs. Ah là, c'est ça, c'est vêtements. Voilà. C'est 3. Ah, elle marche sans s'arrêter. On va en mettre le beau chapeau, hein. Voilà. Parce qu'il va être temps de configurer les touches. Non, ça c'est normal. C'est pas ça, c'est que je cherchais. En fait, parce qu'on a un menu. Voilà. Voilà, celui-là. Et en fait, à chaque fois que je voyais, parce que j'ai à côté de moi les touches, et à chaque fois que je voyais ça, je voyais les touches. Je voyais tout le temps ce menu-là s'afficher. Je me suis dit, bon, ça doit être une roue d'interaction. Et j'ai voulu faire 3, mais en fait, j'ai fait E. 3 et E, c'est assez proche. Et eux, bah c'est en fait c'est saisir quelqu'un à la gorge, c'est normal quoi. Parce que c'est en fait plein d'interactions. Mais quand t'as quelqu'un en face de toi, ça va le saisir à la gorge.
Voilà. Ça, c'est pas du Ramban, c'est juste que je connaissais pas la touche 3. Voilà, c'est cette touche que je voulais faire pour enlever mon chapeau. Oh là 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 là. Moi, j'ai même pas demandé pour les jumelles. Mais bon, moi, je me suis fait recenser. Il pas déconné. J'ai plus marqué l'endroit, je vais faire une main. Ah, c'était... Ah, ils sont très drôles. En tout cas, ils, voilà, ils ont l'habitude. Et... Putain, j'ai essayé d'arrêter, mais elle arrêtait pas. Ah là, c'est flippant. Mais je l'ai souvent vu, ça. Hein. Je l'ai très souvent vu chez les débutants comme moi, surtout. Attendez, je vais boire un coup, là. Voilà. Oh, dis donc. Moi, je vais passer. Monsieur. Oh, putain. Incroyable. Bon, il va être temps d'aller, d'aller bouger peut-être, de pêcher un peu, je ne sais pas. On va voyager, hein, j'ai... Ah, je vais prendre un petit peu d'eau, tiens. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire, du coup c'était... C'est plutôt ça. On va encore faire des petits tests, on va s'isoler pour faire d'autres petits tests parce que... Oh là là, incroyable. Quelle soirée, quelle soirée. Bon, ok, je m'éloigne. Je suis pas trop allée dans ce coin-là et puis après on va s'éloigner vers... là où on peut vendre des poissons. Et puis je me renseignerai demain pour le job. Voilà, c'est quoi ça? Lumber Dealer Office. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Les trapiles. Ah, c'est... Il va y en avoir quelques-uns des moments comme ça. Hein. Il va y en avoir quelques-uns. Bonjour messieurs. Salut madame. Oh mon poli, j'aime bien. C'est bon, j'ai plus de chapeau. Limite joueur sur zone. Ah. Bah je vais peut-être m'éloigner alors. On est peut-être trop. Bah ça tombe bien, je comptais bouger de toute façon. Mais Denise elle marche. Hein. Je la fais pas courir moi. Donc on va aller s'éloigner par là. On va aller rester pas loin de l'eau pour pêcher. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Oh, j'entends quelqu'un qui siffle constamment là. Oh, c'est l'église! Oh, c'est drôlement beau! Vous avez vu les éclairages? Au stylé? Oh là là! Je rigole encore de la scène de tout à l'heure. Ça commence ultra bien! Attendez, on va regarder un petit peu l'église, tiens. Oh, il y a du monde là-bas. Oh là là. Oh là là, tout le monde qui y a. Elle est sympa l'église là, tout éclairé comme ça. Il écrit quoi sur le truc? Holy Ascension, Blackwater. Church of the Holy Ascension. Oh bah, même les tombes sont éclairées. Même les pierres tombales. Ouais, je vais être à pied hein, pour le moment. Alors, on pourra vendre là-bas. Ça va être loin, mais on va le faire. Hein. Pour se faire un peu de sous au début, pour aller voir un cheval, et puis après, voilà. Ou alors là-bas. C'est un peu équidistant. Bon, j'ai de l'eau et j'ai de la nourriture.
En même temps, c'est pas facile hein, d'arriver dans une nouvelle ville, faut beaucoup marcher. Hein. On n'a pas de voiture, on n'a pas de cheval. Regarde bien le clip. Pas tout de suite, mais j'ai regardé, oui. T'inquiétez pas, je regarderai. N'hésitez pas à aller foutre sur le Didi. Faut que j'y pense bien, comme ça j'ai une notif sur Discord quand il y a des nouveaux trucs. Et voilà. Mon chapeau, c'est un shérif qu'il avait sur la tête. Oh mais c'est trop drôle. Oh c'est trop drôle. Faut que je fasse attention, n'empêche. Là, je vais avoir des bébêtes, hein. C'est bien malin de s'éloigner comme ça, parce qu'après, remarquez, si je suis là-bas, sans cheval, c'est loin, quoi. Oh, t'as pas dû t'en rendre compte, non, pas du tout. On va peut-être d'abord pêcher ici. Et aller vendre là-bas. Bah je sais pas, je le sens pas le coup de m'éloigner comme ça, je... À peine qu'il y ait 50 clips au même endroit. Bah ouh, non, mais voilà, c'est bon, t'inquiète. Effectivement, les modales sont sur le coup. Merci beaucoup, hein. Je suis toute seule, on va courir un peu. Voilà. Je suis indécise, mais bon, forcément, c'est mes premiers pas en RP. Voilà, on va se mettre proche de l'eau, on va pêcher un peu. Après, j'ai pas trop une tenue de pêcheuse, donc j'irai chercher une tenue plus adéquate plus tard. Genre, je mettrai une tenue de pêche et puis une tenue de citadine. Je trouve que c'est logique. Bon. Est-ce qu'on peut pêcher par là? En bas, ça a l'air d'être bien. Mais je pourrais pas descendre ici. Ça se voit que je suis du père ou quoi? Un super spot de pêche, c'est sûr ça. On va trouver un moyen de descendre. Ah, regardez! Ma bouffe et ma flotte qui s'affichent! C'est-il pas fabuleux? Faire le tour. Oh, il y a une tente. Enfin, la food. Ouais, vous avez... j'ai rien fait, hein. Ça a paru tout seul, hein. J'ai rien fait du tout. Je fais qu'avancer. J'ai couru. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Wow. Marcher dans des picots. J'ai marché dans des picots. Ah bon là c'est un peu la malade hein, désolé. Ce sera voilà, ce sera plus dynamique à force quand j'aurai mes. Quand j'aurai mon cheval, mon métier. Et aussi un petit pied à terre, hein. Bon ça va niveau fou des flottes en fait, je suis bien là. Et là un ours, mais c'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de m'éloigner de la ville là tout de suite. Tant que j'ai pas de cheval pour m'aider à fuir. Que bon, voilà quoi. C'est-à-dire que la Denise, elle risquera pas bien de se remettre.
d'une attaque d'ours. Bon, petit spot pour pêcher là. Posez là pour le moment. Ouh. Une tempête qui arrive. Il pleut beaucoup dans la région, hein. Alors je pense que ça use les appâts tout seul. Je sais pas trop. Je pouvais faire un truc. Bonjour messieurs. Que vous vous disiez? Je regarde un petit peu les spots de pêche parce que... Il y a de fortes chances pour que je prenne le métier de pêcheur, alors je regardais un petit peu ici. Les spots de pêche? Pardon? Oui, la pêche. Je voudrais pêcher, donc je regarde un petit peu les coins qui pourraient être sympas quoi. T'as cool, vous pouvez pêcher en ville à Blackwater. Ah oui? Oui mais bon, avec les bateaux là, ça va pas faire fuir les poissons tout ça. Bah comme vous voulez, moi je vous préviens, c'est tout. Oh merci, mais c'est fort aimable, vous êtes qui donc, mon bon monsieur? Pépito et vous? Pitou? Pépito! Ah, Pépito, oh pardon. J'aime beaucoup, moi je m'appelle Denise Duval. Oh mais Denise, c'est que ça tonne là. Faites attention à un cheval, hein, quand ça tonne, ça peut attirer la foudre. Il est très drôlement décoré votre canasson, j'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai colorié. Vous l'avez colorié vous-même? Mais c'est artistique, dites-moi. Si, êtes-vous un animal? Je lui ai tiré le clan et après j'ai mis sur mon cheval. Mais c'était quel animal pour avoir cette tête-là? C'était comme un bouc. Comme un bouc? Si. C'est drôlement impressionnant. Vous devez en effrayer plus d'un. Si, j'ai laissé les dents, regardez sur le côté. Oui, je vois ça. Ça doit piquer un peu le cheval quand même, non? Comment? Ça doit piquer un peu la gueule du cheval, non? Non, pas du tout, regardez, il adore. Effectivement, il a l'air plutôt bien. Il est très beau. Merci, bonne soirée. Bon, merci beaucoup, bon vous aussi, Pépito, au revoir. Au revoir. Oh... Je veux m'abriter, moi. À votre avis, il fait quoi, lui? Donc, Pépito, avec un cheval bouc. Faut noter ça aussi. Hein. Oh là là! Ah, cela dit, c'est un temps à pêcher, mais bon... J'ai pas bien envie de me faire avoir par la faute, moi. Mais je suis son conseil, je vais pêcher ici, puis on verra où on peut vendre le poisson. Deux minutes, moi. Hein. Oh, bah les tentes sont toutes fermées. Voilà. Je sais pas qui c'est, mais bon, il comprendra que j'ai besoin de m'abriter. Oh, bah les journaux, ils sont tous mouillés. Regardez-moi ça. Ils ont tout laissé. On va attendre un peu, hein. On va essayer d'attendre dans une position agréable. Alors, je suis un peu dans un buisson quand même. Oh, est-ce que je peux... Ah non, ah, attendez. Mettre ici. Je suis toujours un peu dans le buisson, mais bon. Alors, on a quoi comme... Ah, je peux pas. Si, j'ai fait. Non. Si. Voilà. Hop. 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 Ah non, d'accord. Oh, il y en a plein.
Bon. Non, parce que bon, là, j'ai pas prévu, quoi. Voilà, j'attends un peu. Cela dit, c'est bien pour pêcher, hein, mais bon, voilà. On va quand même attendre... On va quand même attendre d'être un peu... d'avoir un peu moins de flotte. La météo change très vite, mais il pleut beaucoup, hein, dans ce coin-là. Hein. Bon, j'espère que ça va. En tout cas, on rencontre des gens très rigolos, j'aime beaucoup. Ça va, Morfufu? On attend deux petites minutes. On a récupéré l'affichage de la bouffe de la flotte. Mais on a certains trucs qu'on n'arrive toujours pas à afficher. Je me renseignerai sur le Discord, notamment pour les métiers. Et puis voilà. Et après, bah. Une fois que je saurai comment. Enfin voilà, si je peux, si je suis pêcheuse indépendante ou pas. Et je pense que je peux, hein. Tu vends des journaux? Non, non, c'est que je me suis abritée là parce qu'il pleut et que, voilà. Mon perso va pas s'amuser à rester sous la tempête. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est revenu. Ah oui, l'affichage, je sais pas pourquoi c'est revenu, ouais. Et du coup, bah, j'attends simplement qu'il y ait un petit peu... Voilà, que la pluie se calme un petit peu, on va aller pêcher. Et quand j'aurai mes premiers sous-sous, on s'achètera une tenue de pêche. Parce que là, c'était une tenue d'arrivée. Mais voilà, le but, ça va pas être de pêcher dans cette tenue, hein, ça a pas beaucoup de sens. Mais je voulais pas avoir une tenue de pêcheuse dès mon arrivée, parce que mon personnage, voilà, on va dire, va faire un petit boulot de pêcheuse comme ça pour se faire un peu de sous au départ, mais c'est pas son projet de vie. Elle aspire à d'autres... voilà, à d'autres projets, un petit peu, un autre standing. C'est l'arme à gauche de Nisolo. Mais elle est solide, la Denise. Elle s'est pris une énorme baigne tout à l'heure, elle a à peine bronché. Je devais le faire en RP, mais j'ai trop rigolé, hein. J'étais morte de rire, j'arrivais même pas à feindre la douleur. C'était... Ah, éclaté de rire. On a l'air un peu con comme ça, hein, à faire le pied de grue. Alors attendez, je vais noter Pépito. Alors attendez, il y avait Charles. Ah oui, je suis toujours encore petit, ça va, si je vais aller. Il y avait Charles en shérif. Kieran ou quelque chose comme ça. Kieran. Et là, on a rencontré Pépito. Avec son cheval des enfers. Ah. Ça a l'air de se calmer. On va en profiter pour partir un peu pêcher. Là, c'est calmé. Bon, arrête Denise. Bon, Denise, non. Alors, il va falloir arrêter les mottes. Merde, attends. Denise, on arrête. Voilà. Alors, je trouve des raccourcis, moi. Merde. Non, Denise, s'il te plaît, arrête. J'arrive jamais à annuler mes actions. Voilà. Et sûrement des touches plus rapides, hein, mais là, j'ai que ça. Appuie sur 2. Ok. 2. Merci. J'en peux plus. Tout à l'heure, je suis restée assise sur un banc. Je vais... Bon, remarquez, on n'est pas... Voilà. Certains sont bloqués... sur l'eau et puis d'autres sur des bancs. Merci Trapness, merci. 2 donc.
Il fait bien meilleur là. Alors, on va pouvoir se poser quelque part pour tester la pêche. Ah, faut pas rester. D'accord. Eh ouais, ouais. On sort au passage. Ça fait lever les mains, du coup, ça arrête les actions, c'est ça? Je vais tester ça. Ouais, tout à l'heure, j'ai essayé d'enlever un chapeau. J'ai eu un petit. Bon, j'ai essayé d'étrangler un shérif. Ça va, il l'a plutôt bien pris. Et puis, même. Ouais, il s'est vengé vite, quoi. Je vais pas me mettre là pour pêcher parce que je suis proche des gens et que je maîtrise pas encore tout à fait les trucs et que je vais paraître bizarre. Donc je vais juste me remettre au petit spot où j'étais tout à l'heure, j'étais tout à côté. Et voilà. Oh là là. T'es aussi sur le cerf, Trapnest ? Peut-être tu te jettes au sol. Oui. Oui, oui. J'ai vu ça aussi. Quand je découvrais un petit peu, j'ai fait quelques AFC. Et sur un serveur, ok. Bon, on se croisera peut-être alors. Trop cool. Bon, j'ai pas encore toutes les infos, mais... j'ai pas réussi à accéder au menu de job qui est indiqué dans le règlement. Est-ce qu'il faut que... Est-ce que c'est une autre touche ou... Parce que je veux être pêcheuse, mais voilà, je sais pas trop comment le signaler. Ou alors c'est que sur le Discord, peut-être. On profite pour te demander de l'aide. Je connais quelques personnes sur le serveur, mais je suis pas super proche non plus, et puis j'ai pas envie de les embêter avec ça. Alors. Je vais me cacher quand même. Parce que là, on peut me voir. Récolter du thé. Oh là, c'est une bonne question. D'accord. C'est bien, ça me rassure de... Non mais je demanderai sur le Discord de la commu. Je demanderai comment ça se passe pour le métier parce que bah quand je fais le menu job, ça me montre rien donc je demanderai. Est-ce qu'il faut que je récolte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus? Non, je pense pas. Je fais aucun job. Je me balade et je discute avec les gens généralement. Ouais, ouais, je comprends. C'est ce que font beaucoup, hein. Et sinon, ils sont un peu dans l'illégal et du coup, c'est autre chose, mais... Et quand j'ai demandé à des jeunes hommes ce qu'ils faisaient, ils m'ont dit « Oh, chasseur marchand ?» Ils avaient pas l'air sûr. Mais c'est qu'en fait il va falloir des sous parce que j'ai dépensé pour avoir le matériau de base et j'ai plus rien. Alors il va falloir quand même qu'on trouve un petit peu des sous. J'étais où tout à l'heure? Je me suis posé où pour pêcher? C'est plus loin déjà? Non, c'est pas plus loin. Ah non, c'était là. Je suis descendu ici. Comme ça j'étais voilà. J'étais pas à la vue de tous, je faisais des bêtises. Et je pouvais tester tranquille et pêcher. Métier d'intérim au début pour me payer ce que je voulais et maintenant je me balade et je peux plus. Ok. Alors. Bon, j'arrive pas à la mettre en raccourci elle. Mais c'est pas bien grave. On pêche un peu. Merci en tout cas beaucoup Trapnest. Y a du monde à Blackwater en fait, hein. Les personnes que je suis, sur un serveur, ils vont rarement parce que c'est très excentré. C'est vraiment au bord de la map, mais voilà. Je vais mettre mon petit cadre. Voilà, comme ça, ça c'est professionnel. Par contre, il y a vraiment un délire avec les bateaux, c'est très très drôle. Hein. Les gars en barque, ça, ils bug complet.
pas la ville où je suis, mais j'y passe souvent en Blackwater. Ah, trop cool! Bah écoute, si tu rencontres une Denise Duval, sache que... quelqu'un qui débute. Voilà. Bon, en première histoire, t'as rencontré pas mal de monde. Oui, ça va, hein. Après, c'est pas encore fini. J'avoue que je pense qu'on va... Voilà, on va étirer un peu la soirée ou le temps de découvrir. J'ai pêché une bouteille vide. C'est fantastique. J'ai juste pêché 2-3 trucs et voir si peut-être je trouve des gens pour m'échanger mes bêtises. Hein. C'est le cipo, ça. Ah, par contre, j'ai déjà plus de place. Oh, je peux porter jusqu'à 20 kilos. Elle est forte, la Denise. Hein. Il y a un moustique vache à côté de toi. Ouais. Là, les moustiques de 10 kilos. Ouais. Bonsoir, silence. Après, moi, j'ai... Voilà, je suis arrivée à Blackwater parce que je trouvais ça logique. Mais en soi, mon but, ça va être de vite... Enfin, de quand je pourrai avoir un cheval et une tenue de pêche. Et... peut-être la tenue de pêche d'abord, elle sera moins chère à me financer. Et puis, bah, voilà, parcourir un petit peu et voir après de quels moyens on pourra... quel moyen utiliser, enfin comment y arriver. On verra comment avoir un peu de sous autrement. Denise a quelques idées, quelques projets, mais de toute façon, voilà, vous verrez. Tenue, c'est 1$, ça va. J'ai 1,21$. J'ai un peu dépensé. Mais parce qu'en plus, il a fallu que je m'achète des bottes. Parce que j'avais oublié. Mais bon, bah ça va alors. Ça veut dire que... J'ai des petits corias sauvages tout à l'heure. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai aussi peu. C'est pas normal en fait. En vrai, j'ai acheté quoi? Bon, j'ai quand même acheté une arme. Plus, c'est à cause de ça en grande partie. Mais parce que je me dis, si je m'éloigne et que je me fais attaquer par une bestiole, bah voilà, faut que j'ai quelque chose quoi. Bonsoir, chouchouï. Oh, oui. Grand poisson, ça c'est bien ça. Pêche un petit peu, hein. C'est petit instant de pêche, histoire de... Je sais pas, encore une fois, je trouverai peut-être des gens pour m'acheter mon poisson. Le truc, c'est que j'ai aucune idée du prix à laquelle je vais le vendre. Donc, bon. Pêche quoi ? Des grands poissons. Et une bouteille. Voilà. Mais bon, je viens à peine d'arriver. Elle a fait sa tenue de voyage, la Denise, alors... Alors, c'est pas forcément adéquat. Mais ça, on va y remédier. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vendre? J'irai voir. Non, je pense pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux vendre au marchand général mes poissons? Mais je pense pas. Le marchand, il m'a indiqué les endroits où je pouvais vendre. Là où il y a le petit truc. Vraiment des jeux de ouf, avec des graphismes de ouf. Bah, je sais pas, tu mets des émotes rigolotes, alors je sais pas si tu te moques ou si c'est vrai. Mais c'est vrai que pour un jeu RP, enfin pour un serveur RP, les graphismes sont assez fifous, ouais. On a vraiment les mêmes sensations que dans le jeu, donc c'est réussi. Non, c'est vrai, t'inquiète. Ah, ok. Ok, ok. Parce que voilà, ce genre d'émote, souvent, c'est quand t'es ironique ou sarcastique, du coup. Bah, c'est plus tard. Voilà. Grand poisson. C'est bien, je pêche des grands poissons. Est-ce que ça m'utilise du coup mes appâts? Non, c'est pas ça, c'est... Inventaire, tout simplement. Ah oui! Ça me les utilise automatiquement. C'est très pratique. Les jeux sont vraiment ouf, la qualité d'image. C'est bête, on voit pas ton poisson. Mais c'est normal, on est en RP. On est sur un serveur online RP. Du coup, et LGW. Et il y a certaines contraintes sur ces serveurs-là qui font que... Mais si tu joues à la campagne solo de Red Dead Redemption, tu verras ton poisson, t'auras même des poissons légendaires à pêcher, des trucs comme ça. Mais voilà, sur... peut-être même sur les serveurs online classiques, mais en RP, il y a plein de contraintes qui font que... On verra pas l'animation et tout ça. Vraiment sur le jeu de base, sur le jeu
sur l'histoire, quoi, le jeu solo. Les détails sont là et on voit même, voilà, on voit même notre toute l'animation du poisson qui saute, tout plein de trucs. Donc si tu t'intéresses au jeu, n'hésite vraiment pas à tester la version. La version enfin, la version solo. Tu commences Red Dead sur le RP, oui. Mais Red Dead Redemption, le jeu, je le connais bien. Je l'ai jamais terminé par contre l'histoire, mais j'ai beaucoup j'ai quand même beaucoup joué. La vache, ça pêche longtemps là. Ah, peut-être parce que si on farm entre guillemets, ça met de plus en plus de temps. Grand poisson. Ok. Un petit d'air. Puis on va voir un peu. J'avais sur Xbox 360 Red Dead Redemption. C'était le premier, ça c'est Red Dead Redemption 2. Attendez, je cherche les touches encore un peu. Hein. Pareil, hein, le menuing n'est pas du tout pareil dans le jeu. Honteux ça, j'ai filmé 3 fois. Pour voir si j'avais une fin différente. Bah ouais, en fait, je trouve que... Et j'ai essayé... Moi, avec ma caméra. J'y ai joué 2 fois. Enfin, j'ai fait 2 parties. Et aux 2 parties, je me suis lassée exactement au même endroit. Où l'histoire s'étire un chouïa, je trouve. Et notre perso continue... continue à suivre les mauvaises décisions du clan en général, machin. Et c'est vrai que c'est un peu lassant. Après, il y a aussi le fait que même si Arthur Morgan était sympa, c'est un personnage qui m'énervait un peu. Je trouvais un peu nigo. Alors qu'il se donnait un genre très avec une grosse voix et tout, machin. Mais bon. En vrai, voilà. Je le trouvais pas toujours très malin. Alors que je préférais John Marston. Ouais, mais je sais, généralement les gens sont pas d'accord avec moi. Ils ont tous adoré Arthur Morgan. Mais je pense que j'avais un petit peu le regret de John Marston. Et même en jeune, je préfère. Au final, il y a que 2 fins différentes. Je savais pas qu'il y avait des fins différentes. Bon, les vrais d'air. J'ai déposé. Ramasse la canne à pêche, ça coûte 6$. J'aurais pas de quoi la repayer, hein. Alors. J'ai oublié, c'est ça. Ça le bien, ça le mal. Il y a juste une cinématique qui diffère. D'accord. Moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs fins différentes, plusieurs fins possibles dans Red Dead. Je savais pas du tout. Ok. Bon, on va faire ça et puis après on va se promener, hein. De toute façon, ça sert à rien que je demande à acheter des jumelles puisque j'ai plus de sous. Mais qu'est-ce qui m'a pris toutes mes sous? C'est la carabine. Carabine, hein. Elle était genre à 10$. La pêche a été genre à 6. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre de cher? Les balles, elles étaient à 2$ chacune. Très très cher, ça, par contre. Quand ici actuellement, road départ, 23h50, Saint-Denis. Arrivé à minuit 10. Bah non, on est à minuit 20. J'ai fait en full bonne action et full mauvais. Et une neutre. Et la neutre change rien. Les appâts, c'était 4 cents, je crois. C'était vraiment pas beaucoup, les appâts, il me semble. C'était 4... Ou alors c'était 40, non c'était 4 cents. Munitions, il n'y en a pas, ça coûte cher. J'ai pris que 2 munitions, hein. C'est vraiment juste pour me défendre au cas où. J'ai trouvé un crabe. C'est fantastique.
Allez, on a pêché un petit peu. Les 0,2 les appareils, voilà, c'est que dalle. Attendez, on va regarder. Pourquoi j'ai un poulet rôti? J'ai de l'eau, j'ai à manger, j'ai acheté de la bouffe parce que je savais pas que j'en avais. J'ai ramassé du thym. Simple bouteille vide à remplir. Oh, c'est bien. Bon, écoutez, on verra. Bonne nuit, Grisou. Bon dodo. Ah bah, bonne nuit, Sam. Bon dodo. Parce qu'en fait, j'ai un peu peur d'aller sur les routes et de commencer à vendre si j'ai pas de cheval. Oui, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, les oubis. Parce que bon, 20$ quoi. 20$ le cheval. Le plus bas. Peut-être qu'après ailleurs, c'est moins cher, mais là, c'était 20$ quoi. Vas-tu bien, le stream se passe bien. Le stream se passe très bien, et toi, ça va-tu bien? Il y a des petits gars là-bas. Ah, j'ai pas de sous. Je vais au salon et que j'ai pas de sous. Oh, je vais aller voir quand même. Bonsoir, Pandario. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Et mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Joli chapeau. Je monte avec. Il y a drôlement de l'ambiance par ici. Ben oui, tout à l'heure, il s'en rendait des coups sur la tête. Ah. C'est spécial. Ah ben allez, Gary. Oh. Un petit souci là. Je t'entendais à peine. Ça va et toi? Ça va, c'est revenu? Oui, un truc. Je vais aller voir à l'intérieur. Ouais, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Dites-moi si le stream n'est pas revenu. Entre les Rolands du Bayou et les vues Médoxy. Vous jouez drôlement c'est bien. Il y a certains endroits qui sont quand même chers. Aïe aïe aïe. Après il y a le bagu. Les trapnes. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va peut-être en jeu, mais tout à fait. Avec plaisir. Bonne nuit à toi. Une très bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait pas un peu d'eau, tiens? On profite à chaque fois qu'il y en a un. Bah, j'ai bien bu. Ah oui, j'ai bien bu. Effectivement, effectivement, là ça sert à rien là. Ah, j'ai appuyé. RP te plaît? Ouais, ouais, c'est très cool. Le seul truc, c'est que je suis encore un peu perdue. Et puis j'aimerais bien avoir rapidement une monture, même juste un bête âne, pour pouvoir un peu bouger avec plus de liberté, parce que là, je suis quand même limitée un peu à cette zone. Et j'ai peur qu'en m'éloignant, je tombe un petit peu sur des... Je sais pas, c'est pas les autres joueurs qui m'a... C'est très bien, en plus. Si, si, là, il a... Non. C'est ce que j'ai croisé tout à l'heure. Pour ça, j'en dis pas bonjour, j'aurais déjà dit bonjour. C'est pas les autres joueurs, c'est surtout croiser un cougar, des loups, un ours ou des coyotes. Je crois que les coyotes ils s'attaquent pas, je crois. Mais j'aimerais bien aller à un endroit où je peux vendre mes poissons, quoi. Donc j'hésite un peu à y aller là. En vrai. Mais à pied.
va être chaud quoi. Donc voilà, je sais pas. T'as pas un crasheur ? J'ai juste pris une petite carabine, mais elle m'a coûté déjà assez cher et les battes sont à 2$, donc j'ai pris que 2 balles. Allez, loup, les ours, les pires méchants des vents. C'est bon, maintenant je sais que je peux faire ça et ça me. Ça sera plus facile. Non, mais sinon on y va, hein, écoutez. Je vais manger un petit morceau. Ici, tac. Et puis au pire, on croisera des gens sur le chemin, ils me proposeront peut-être de m'amener, ou pas. Mais ça fera du RP, quoi. Parce que là, errer dans la ville, bon... C'est super cher, ouais, c'est super cher. Range ton couteau, espèce de folle. Je vais reprendre un petit bout de pain. Il y avait écrit qu'une tente nous était donnée, mais je l'ai pas trouvée. Bonsoir Akihiro-san. Alerte limite de joueurs sur zone. Ça me dit ça à chaque fois que je vais ici. Il y a beaucoup de joueurs dans l'église, ça veut dire? Ah oui, il y a plein de gens là-bas. Oh non, avec deux personnes. Il y a plein de gens. Il y a un cheval. Une envie de te avec toi, de jouer. Ah bah, tu veux rejoindre un serveur RP, c'est une petite procédure quand même. Fume avec un couteau avec un peu de pratique. Parce qu'en fait, idéalement, faudrait qu'on aille là-bas. Ou là-bas. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, très bien. Je regarde un petit peu le coin, je viens à peine d'arriver, alors... Ah. Du coup, le cimetière, le coin le plus classe. Disons que l'église de loin brille tellement qu'effectivement, cela m'a attiré le regard. Elle est fort belle. Ouais, j'avoue. Et vous, que faites-vous donc par ici, mon bon monsieur? Ah bah, je rentrais sur Blackwater, j'habite dans le coin. Ah, vous habitez à Blackwater, très bien. On sera sûrement amené à se recroiser alors. Exactement, la maison qui est juste en face de l'église, d'ailleurs, de l'autre côté de la route. Ah d'accord. Oui, j'avais un petit peu. Non, mais je voyais une dame qui se baladait, je me suis dit, vous avez peut-être besoin d'aide ou quelque chose. Ah, j'apprends un petit peu à apprendre un petit peu cette zone, à regarder un peu les coins. Vous avez raison. Et elle est fort sympathique et très peuplée, j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Bah Blackwater, c'est une belle ville. Effectivement. Si vous êtes un peu descendu en ville. Oui, 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 tout à fait. J'ai fait de très bonnes rencontres. Avec certains monsieur qui m'ont dit que j'étais une fleur fanée. Ah bah, vous avez vu que les gens sont polis dans le coin. Effectivement. Et vous êtes madame? Madame Denise Duval, et vous donc? Denise Duval, monsieur Duke, Ray Duke. Duke, Ray Duke, très bien. Je retiendrai. Vous êtes un fort grand gaillard sur un fort beau cheval, ça attire le regard. Ah bah voilà. Ouais. Vous vous souviendrez de moi. Tout à fait, tout à fait. Et bah au plaisir, madame Duval. Tout à fait, au plaisir, merci beaucoup. Bonne au revoir, monsieur Duke. Tout à fait. Ouais, ça va faire chelou si. C'est Gail, hein. Ça va faire chelou si je marche toute seule dans la nuit comme ça, donc niveau RP, c'est un peu bizarre. Je vais plutôt rester dans mon coin pour le moment, hein, tant pis. Hein. Ça va être un peu chelou sinon. Ça va être un peu chelou. Est-ce que je peux rentrer dans l'église, tiens? J'ai besoin de te dire qui est ce monsieur. Non, tout à fait.
Je vais voir si l'église est ouverte, mais j'imagine que non. Non. Toi en robe de soirée. Oh, c'est une tenue. En fait, c'est pas robe de soirée, c'est une tenue. Une robe classique, quoi. Y'a pas de froufrou, y'a pas de truc. C'est une chemise avec une jupe. Effectivement, s'il y a un petit peu des froufrous dans la jupe, elle est un petit peu élégante. C'est le chapeau, en fait, qui fait penser à ça. C'est le chapeau. Par contre, ils arrêtent pas à dire limite de jour sur la zone, mais c'est où exactement la zone? C'est le cimetière ou il vaut mieux que j'évite? Après, bonne soirée, silence. Après, j'ai reçu des sous, donc au pire, on se pose un petit peu au saloon, on discute avec les gens. Tant pis, on chopera pas de cheval ce soir, mais juste on... Un chapeau au moins, j'ai récupéré, ouais. Il y a beaucoup de monde, dis donc. Oh là là. Oh, j'ai l'impression que c'est des affaires qui me regardent pas bien, ça. Je m'en vais plutôt, salaud. T'as vu tous les gens? Ouais, je... Ça me regarde pas. J'ai rien vu. Mais j'hésitais à me prendre un chapeau au début. On est un peu trop peut-être. Hein. Oh, en fait, c'est très peuplé Blackwater. Ah là là, c'est rigolo en tout cas. J'aime beaucoup croiser des gens comme ça, raconter sa vie, dire des trucs. Après, on verra à force de se croiser avec certaines personnes. Bon, je note pas Radio car je connais un petit peu. un petit peu. Mais... c'est Johnny Red qui tient le magasin. Non, bah voilà, j'ai reçu 2 dollars. Donc au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose un petit peu à la... Ah, j'espère que ça va aller. On se pose un petit peu à la taverne, où là, où il y a du monde, on danse. On se prend un petit truc à graille, limite. Pas trop cher. On va participer à l'économie. Mais voilà, c'est juste vraiment pour avoir un cheval. Je pense que c'est vraiment ça, le truc que je veux en premier. Une fois que ce sera fait... bien, quoi. Ce sera bien. Bien aimé tout à l'heure le saloon, il y avait de l'ambiance. Et ici? Hop là. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Encore un truc qui rentre bien dans la tête. Quoi. Ah oui, il faut essayer. Trouver quelque chose qui rentre. Hein. Alors, je vais essayer de trouver un petit air bien là-dessus. Qui mm-hmm. nous collera à la peau. Oui. Comme ça, tout le monde après vous achètera le pastaga. Je sais pas vraiment dire votre nom, c'est bizarre quand même. Pastaga. Pastaga. Oui. Bah, ça va, hein. C'est bon. On dirait un peu l'Iroquois. Hein. Vous pensez au pastaga, il parle de pastaga, c'est trop drôle. Ah, pasta. Et mon gars, tu veux des pasta? Ah, lapin au vin rouge, c'est 20 cents. Ça va, Beaujolais. Ah, exactement. Y a personne pour servir. Grenouille Dupont. Vous connaissez les Moriarty? Les petites grenouilles là. Ah non, du tout. Il paraît que c'est des gens qui surveillent Rod. Et je me rappelle de leur... Non, parce que j'ai fait un truc avec les morts. Mais qu'est-ce donc que ceci? Ça y est, je me rappelle maintenant. C'est les morts, Yarki. Les morts, Yarki. Et Marseille? Marseille? Oui, il y a encore du chemin. Oui. Oh, c'est Pastaga, je suis censé connaître un peu, hein. Marseille. Ah oui, effectivement. Je sais pas. Surtout, vous êtes loin, là. Toujours. Vous êtes pas gentil, monsieur Marseille, dis bah, donc. Pourquoi donc? Je suis pas loin, je suis juste à côté de vous. Oui, effectivement, mais je suis pas Marseille. Hein, hein? Non, vous êtes à Corgi-sur-Pin. J'ai envie de me mêler à la conversation, mais je les vois pas alors. On a un frère qu'on déménage à Corgi-sur-Pin, si ça existe.
Mais c'est pas de là que vous venez. Bah je sais pas où ils sont. Mais c'est pas drôle, au poker, mais je sais pas s'il y a du poker, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait le jeu. Après ça, ça demande à être codé tout ça et tout, donc on va aller s'incruster à la conversation. Dites-moi, messieurs, dames, je vous entends discuter là, excusez-moi, hein, j'ai eu l'oreille qui traînait un petit peu. Et j'entendais qu'il y en avait qui parlaient de Marseille. Marseille ? Oui. Monsieur Guitoun ! Ah, non, monsieur Guitoun ! Il vient de Corgi-sur-Pin. Corgi-sur-Pin ! Eh bien non, effectivement. Il vient de Carry-le-Rouet. Ah oui, d'accord, ah pareil. Oui. Je comprends pas tout à fait, non. Redites ? Et vous, madame ? Je viens de Rouen, moi. Ah, très bien, vous connaissez le pastaga Guitoun ? Ah, je connais le pastaga de nom, mais j'ai envie de dire que dans ma région, c'est pas trop ce qu'on boit. Oh putain, mais ici, on boit que ça, hein. Ah, et alors, ça a l'air de rendre joyeux, en tout cas, vous avez l'air bien... Ah, effectivement. Bien heureux. J'ai pas encore eu le temps d'en boire beaucoup ce soir. Hein. Mais j'ai vu, effectivement, que ça se vendait en bas. Je me demandais un petit peu ce que ça donnait. On est en train de faire en sorte que ce soit partout dans le pays. Ah, d'accord, donc vous lancez un petit peu une affaire de pastaga, quoi. Ah bah bien sûr, normalement elle est stable sur Marseille, on l'a ramenée ici maintenant. Elle s'est ramenée de Marseille ? Exactement. Ah mais c'est incroyable ça. Importation de pastaga ici. Qui eût cru ? On importe la fleur et on le fait directement ici. Oui. Et vous diriez que c'est à quel goût donc ? Bah c'est à goût d'anis. C'est fort. Ah c'est fort bon. Ah oui, ça débouche les tuyaux et puis ça décolle les naseaux. Ah, c'est bien ça, quand on est un peu enrhumé, on prend du pastaga, ah, quoi. Oui. Ah, oui. Peu importe le mot que vous avez, un pastaga, vous allez mieux. Hein. Oh bah ça, je prendrai ça la prochaine fois que je suis blessé, tiens. Ah, très bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de boire, il suffit de l'entendre chanter. Hein. Mais attendez, j'ai deux chanteuses à côté de moi, allez-y. Ça, je serais ravi d'entendre. Moi, ce soir, si on repos, vous entendez ma voix, je peux pas. Hein. Oui, bah c'est comme d'habitude, votre voix. Hein. Mais je vous permets pas, monsieur Marcel. J'ai mal à la gorge, j'ai pas assez pris de miel. Madame la mère. Ah, il vous faut du pastaga, je crois. Je connais pas la mélodie comme ça. Vous connaissez pas la mélodie, pourtant vous me dites que vous l'avez en tête. Non, mais je retiens qu'il tourne, c'est le soleil. Le soleil. C'est quoi le début de la chanson ? C'est quoi ? Guitoun, c'est le soleil. Guitoun, c'est le soleil. Ils apportent la joie. Ils vendent de ville en ville. Pour vendre du pastaga. Ah, je connais pas. Guitoun, c'est le soleil. Ils apportent la joie. Ils vendent de ville en ville. Pour vendre le pastaga. Voilà. Oh, mais ça rentre bien dans la tête en plus, ça! Incroyable! Oui, madame le maire, elle est ravie, ça fait deux fois qu'elle entend d'affilée. Il faut savoir que je reçois des télégrammes avec les paroles de la chanson dedans. Comme quoi, votre communication marche fort bien. Ah, effectivement, on a une communication assez agressive. Oh, je dirais qu'elle est plutôt en douceur. Un petit peu comme les ménestrels d'antan, vous savez. Ça reste, voyez. Ah ça, oui. Ça oui, ça reste, oui. Ça colle à la peau et au cerveau. Je l'avais même dans la tête avant même que vous la chantiez, comme quoi. Ah, ça c'est bung. Et vous faites quoi, madame ? Ah, je viens tout juste d'arriver. Mon papa étant pêcheur, je vais tenter un petit peu de voir si je peux me faire quelques sous avec ça, mais j'ai pas de projet bien défini, vous voyez. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, pensez à Marcel Guitoun, on pourra parler de projet. Marcel Guitoun, très bien. Le vendeur de pastaga. Exactement. Et danseur. Et chanteur. Bien sûr. Jaune surtout. Avant tout, jaune. Exactement. Je vois que vous avez un beau chapeau jaune en tout cas. Oh, merci beaucoup. Effectivement, j'ai l'impression qu'il plaît beaucoup ici, je suis ravie de l'avoir pris. C'est vrai qu'il est beau votre chapeau. Oh, merci. Oui. Voilà, c'est parce qu'il est jaune. Mais c'est surtout qu'il y a des jolies fleurs. Il y a des fleurs. Madame, il est légèrement jaune, mais... Alors attendez. Il y a un ruban. Oh, ça, effectivement, vous êtes un petit peu comme un rayon de soleil. Ah, merci bien, on me le dit souvent. Bah, c'est un peu les Guitoun. Hein. Vous savez, quand on nous voit, on dit qu'on est le soleil des gens. Hein. Comment que tu as dit tout à l'heure ? Non, c'est pas toi qui as dit ça, je crois. Non, moi j'ai rien dit encore. Je sais plus, quelqu'un a dit qu'on était le soleil, enfin bref. Hein.
Elle dit qu'elle avait mal à la gorge, mais elle a pas assez bu de pastaga. Ah non, mais de toute façon, moi je bois quasiment pas d'alcool. L'alcool, c'est la boisson des dieux, ça, moi j'y touche pas. Oh, je vois. Ah, le pastaga, exactement, c'est l'alcool des dieux. Mm-hmm. Non, le dieu ouais. Pastagos. Moi je suis plutôt jus de fruits ou l'eau de la rivière. Oh, Pastagos, oui, c'est. Ce serait pas un dieu grec, ça, Pastagos. Ah si, ah si. Hein. Ah ben oui, ça, c'est vrai. Normalement, il a une position où il tient, où il lève le coude avec mm-hmm. une bouteille et il boit. Ah bon mm. Effectivement. Oui, un cousin de Dionysos, quoi. Pastagos et Dionysos, c'est deux cousins, quoi. Exactement. Mm. C'était plutôt une amphore, non, à l'époque. Hein? Une bouteille qu'une amphore. Une amphore, plutôt. Oui, d'accord, je fume le thé. Il fallait la porter en étant fort. Non, mais j'ai bien compris, mais... Non, mais je veux pas vous vexer, monsieur Marcel. De toute façon, vous faites ça toute la soirée, hein, bon. Donc, Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vous l'avais prévenu, hein. Ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer en tout cas. Je vais vous laisser à vos affaires. Vous vous appelez quand même ? Denise Duval. Ah, oh, c'est joli. Denise Duval. Oh, merci beaucoup. Et vous ? Oui, parce que je connais monsieur Guitoun, mais. Je peux vous appeler Dédé ? Oh oui. C'était mon petit surnom à Boston. Dédé. Oh putain, je cherche Dédé. C'est un peu masculin quand même. C'est moi. Je Marcel. Ben non. C'est moi. Oh non, c'est très bien. Bah oui. Mais Dédé alors, ben on vous appelle. Oui non, moi je vous appellerai Denise quand même. Ah merci, bah écoutez. Madame Denise. Combien j'ai mon prénom. Mes initiales c'est Lily Rose. Oh, bon joli aussi. Lily Rose. Et vous êtes donc la mère, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oh, oui. Très bien. Et moi du coup c'est Liam Porter, la radio. Liam Porter. Vous avez, sens, vous avez des verres au cul? Lily. Non, c'est toi qui as les verres au cul. On va voir la médecin bientôt. C'était ta mère qui te le retirait. Oui, quand j'étais petite. Ah, oh oui, effectivement, vous. On va peut-être vous laisser cette conversation enregistrée. J'ai l'impression que. Bon, bah, la bonne mais apparemment, elle en a plus. Non, c'est fini. Ah, d'accord. Allez. On m'a déjà tous étus quand je suis arrivée, donc bon, on va peut-être pas. Non, vous inquiétez pas, j'ai plus. Hein. Pour faire des appâts de pêche, peut-être. Bah, oui, ben non, ça marche. C'est ce que je lui ai dit, on fait une boule. Ils sont trop petits. Mais justement, on fait une boule. Mais ils sont petits, tout petits. Cette conversation est improbable. Ça se voit à peine à l'œil nu. Oui. Ouais, ils peuvent être nombreux après, hein. Ah oui, bah, j'en avais beaucoup. Bon, les lattes, je ne sais pas où. Bon, monsieur Liam. Et vous, jeune fille en rouge, je n'ai pas entendu votre nom. Ah, pardon, moi je m'appelle Emeraude. Ah oui, Emeraude, si, vous me l'avez dit au tout début, désolé. Mais tout le monde m'appelle Ruby parce que je m'habille souvent en rouge. Mais a priori, bientôt on va m'appeler Topaz. Ah, parce que je vais devoir m'habiller en jaune. Eh oui. Mais j'aime pas le jaune. Jaune et noir. Je suis une guitoune. Oh, c'est notre super musique. Oh putain, quoi, j'ai quelque chose. La bonne soirée, mesdames. Bonne soirée. Dédé, je vous retrouve où sinon? Dites-moi, j'ai pas entendu. Dédé, je vous retrouve où? Ah bah, moi je suis, je viens à peine d'arriver alors j'ai pas trop de pieds à terre, mais ça va être à Blackwater en tout cas. Ah, ça c'est bien, on aura plus de chances de se rencontrer. Tout à fait. Comme ça on pourra converser. Parce que, attendez, je vais pas parler fort. Donc vous vous avez dit que vous êtes plus dans la pêche. Mais si jamais, si vous avez un peu la main fermière, mettre des graines dans des trous, vous pouvez penser à nous, hein. D'accord, bon j'avoue que j'ai tenu une ferme et j'ai bien trop aimé ça, mais on pourra toujours en discuter. Ah effectivement, mais vous avez pas aimé ça, je vais pas vous forcer. Hein. Parce que disons qu'il y a du travail, nous, hein. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Et vous plantez les fleurs, c'est ça, l'anis ? Non, pas que ça. Je pense que plante des patates. Exactement, ah oui. Disons que... On je reviens, je vais chercher à boire. Oh putain. Chercher du pastéga. On a ouvert l'étal cet après-midi. J'avais fait à peu près 500 de chats quand il n'y en a plus. Hein. Ah oui, quand même. Oui, donc il y a de grosses demandes. Et il était où l'étal, ici, à Blackwater? Sur Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, je suis pas encore allé. J'ai pas encore de cheval. Ah, vous avez pas de cheval? Ah, pas encore. Effectivement. Je vous conseille, alors attendez. Dites-moi. Je vous conseille de prendre un petit âne pour 10$. Oh, des petits ânes pour 10$, mais je les ai pas vus, ceux-là. Alors, dans les chevaux un peu spéciaux. Ah. T'es toujours dans l'écurie, on est bien d'accord. Oui, effectivement. D'accord. Dans les chevaux spéciaux. Alors, bonsoir. Les chevaux spéciaux. Je vous annonce, pensez à me prendre des bouchons pour les oreilles. Ah. Vous comprenez pourquoi. Mais bon, quoi. Ah. Hein,
Pas du tout. Nous, on a commencé par ça avec la famille Guitoune. Je pense que je vais devoir passer par là aussi, oui. Bah après, ça reste des fières bêtes. Après, hein. Après pour 20$, vous avez un cheval. Alors, voilà, c'est ça que j'avais vu. C'était les premiers chevaux à 20$. Je me suis dit, bon. Je me suis déjà acheté ma canne à pêche, tout ça. J'avais plus trop. Ah, mais vous avez déjà, très bien. Oui. Il vous reste combien sur vous? 3$ à peu près. 3$, ok, très bien. Prenez les appâts, venez. J'ai pris des appâts, hein. Ah, très bien. J'ai pu pêcher les un petit peu déjà, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le coin. J'ai pu pêcher quelques poissons, juste pour voir un petit peu ce qui frétillait par ici. Très bien, très bien. Justement, pensez, parce que il y a des endroits de pêche. Oui. Mais l'appât est à 5 cents. Donc, allez toujours dans les General Store, ils sont à 2 cents. Oui, ça vous permet d'économiser. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai croisé un certain Johnny là-bas, il m'a dit c'est moins cher chez nous. Bon, c'est un commerçant donc. J'étais pas sûr. Je vous l'assure, hein, vraiment, ce sera moins cher de prendre dans un General Store, vous aurez pas moins cher. C'est bon à savoir ça. Très bien. Bah, merci beaucoup, monsieur Guitoun. Y a pas de problème. Et puis, je risque pas de vous oublier. Hein. Ah bah, ça c'est gentil. Moi non plus, Dédé, je vous oublie pas, Dédé. Salut, Kiki. Ah, merci, Dédé. Au revoir, Kiki. Oh, pardon. Oh non. C'est bon, je suis navré, j'ai déjà fait ça au shérif tout à l'heure, je l'ai payé vite, je l'ai payé cher. Non, c'est bon. Allez, on va descendre calmement. Oui, je suis tout à fait navré. Il n'y a pas de problème. Ça va te faire, vous allez me détester, mais... au niveau de la licence que je vous ai demandé, vous avez vu ou pas ? Elle court. Ah bah non, mais je crois qu'il va voir. Je vous laisse passer. Je disais, il n'y a pas de problème, Dédé, et la prochaine fois, on ira boire un coup. Avec plaisir, je goûterai votre pastaga quand j'aurai refait un peu mes finances. On se boira un coup autour du pastaga. Effectivement. Eh bien, ce fut une rencontre fort agréable. Emeraude, bon plaisir, Dédé. Pitoune. Au revoir, mademoiselle Dédé. Au revoir, merci beaucoup pour votre accueil. Ouais, c'est affreux. Mais là, en fait, c'est parce que j'étais coincée dans le chat, je crois. Je sais pas, il s'est passé un truc. Mais ils sont trop rigolos. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Le jour. Ils ont des horaires bizarres ici. Hein. Quand il fait jour, ils disent bonsoir. Quand il fait nuit, ils disent bonjour. Bon. Oh, mademoiselle, toujours là? Eh bien, je vous embête pas plus. Bon, le souci, c'est que sans... Alors, je vais voir un peu. J'allais dire sans monture, ça va être compliqué, mais je vais voir un petit peu l'âne. Du coup, à 10$. Dans les chevaux spéciaux, on va aller voir ça. Donc ça, ce serait le marché, alors. Ah, c'est le marché de Blackwater. Bah non, pas du tout. Il m'avait dit qu'il était à Saint-Denis. Bon, je comprends plus trop. Il y a un marché ici, en tout cas. On va voir sa petite étale, et bien oui, tout à fait. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ouais, c'est à côté. Oh là là, le E, mais je me rappelle même pas avoir fini sur E, c'est terrible. Faut que je fasse super gaffe, là, je le fais à tout le monde. Non, c'est pas là. Non, mais c'était à côté en fait, j'étais bon. Ah non, c'est là. Là ? Oui, c'est là. Alors, les chevaux spéciaux qui nous a dit. Les chevaux spéciaux. Oh. On va m'écrouler dessus, ça. Tac. Merde, à chaque fois je fais ça sans faire exprès. Acheter cheval. Peut-être tout en bas alors, non? Les chevaux spéciaux. Ah, special horses! Effectivement. Ah oui, voilà! Ah, c'est dans les chevaux spéciaux, oui, d'accord. Je vous présente ma future monture. Oh là là, courage, il a 4 par contre. Écoutez, on va... Voilà, hein.
Quand il fait jour en Normandie, il fait nuit chez eux. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est que moi, je fais par rapport au... Pas par rapport à l'heure réelle, même si en soi, c'est logique de faire comme ça. Je fais par rapport au jour, quoi. Donc la cause. Le voilà. On en a entendu parler. Effectivement, chevaux spéciaux... Il y en a deux. Et celui qui a 4 de courage, et celui qui a 4 de courage. Ah, il y a juste un mâle ou une femelle, quoi. Très bien. Bon, bah, voilà. Bon, les 10 dollars, on les aura, hein. Je sais pas combien j'aime, je vais avoir 3, vu qu'on a 2... On a eu 2 dollars tout à l'heure. Non, alors Denise, arrête. Elle est violente, ta Dédé. Vous m'aviez dit qu'on m'appellerait Dédé, bah ça y est, c'est Dédé. Et par là-bas, il y a quoi? Il y a la poste? Ah oui, il y a Telegram. Bonjour monsieur. Et ça, c'est la poste. Ok. Le guitine est juste magnifique, ouais, il est très drôle. Je regarde un petit peu comment ça se passe pour les télégrammes. Ah là, parce que j'ai jamais fait, donc j'en aurais pas évidemment, mais voilà, c'est pour voir. Et là, on peut en faire un nouveau, ok. On verra ça hein, quand on rencontrera... quand on aura une raison d'envoyer des messages aux gens. On va pas faire la stalkeuse. Et ça c'est quoi? Ah c'est les trucs rapides? Non. C'est pour rien du tout. On voit un petit tonne ici. Oui, il fallait savoir hein, ça par exemple. Hein. C'est le genre d'info qu'on a que en demandant aux gens. Oh là là, je suis en QWERTY, c'est affreux. On va s'éloigner et régler ça. Même si je vois pas comment en fait. Je pense que ça, il faut que je vois ça en regardant... Oh, il y a du monde là-bas. J'ai pas de jumelles, c'est bien dommage. Oh, ça se bat, hein! Regardez là-bas! Ou pas. Non, non, ça doit pas se battre, ça a l'air de juste courir dans tous les sens. Oh! Il y a un monsieur là-bas qui a pas l'air d'aller bien. On va te courir tout partout. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Qui que vous soyez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, il me voit pas. Vous voyez pas. Ah, parfait, monsieur Parker. Sauf que j'ai la poussière dans les yeux. Je ne vois pas, je n'entends pas. C'est le berger de ma vie. Bonne soirée. C'est la mairie là-bas. Je sais pas trop quoi leur dire, hein. Des fois faut un peu que l'interaction RP soit justifiée. Disons que voilà, j'ai trouvé un prétexte pour les gens dans le saloon là pour le moment, bon. On va se mettre là, on va pêcher un petit peu. On va me pêcher en robe, ça fait con, non? On va s'acheter une tenue, vous savez quoi, on va s'acheter une tenue. Une tenue de pêche, de toute façon c'est 1 dollar, c'est pas grave. On va s'acheter une tenue. Non. Ah ici non? D'ailleurs. Mais oui, c'est là où j'étais déjà tout à l'heure. Ouais bonjour. Une tenue de pêche.
Alors, faut qu'on se trouve une tenue de pêche, donc un pantalon. Limite juste un pantalon, en fait. Je sais pas. Quoi ça, bow? Pantalon d'équitation. C'est juste ça en pantalon. Regardez un petit peu. Tac. Ah, il y a des pantalons classiques. Ah. Je peux pas essayer? Oh non, on va essayer d'essayer quelque part. Je peux pas revenir en arrière non plus? Masque. Ah, si, d'accord. Faut peut-être que j'enlève ma jupe, mais je sais pas comment. À jupe, voilà. D'accord. Ah, je peux me faire une tenue de pêche, alors. J'ai enlevé ma jupe. Bonjour. C'est un peu bugué, là, pour moi, j'ai l'impression. Ah. C'est encore bugué. Encore bugué. Bon. Regardez comment on refresh. Ça bug un peu, hein. J'avoue, faut apprendre, je pense. Mais là, bon. Là, je pense que c'est un peu mort. Ça fait une sélection, ouais, mais je l'ai fait juste en restant appuyé là pour défiler. Et là, bon, quoi que je fasse, même quand j'appuie sur mon bouton pour parler. Vous m'entendez? Y a-t-il quelqu'un? Mots bleus, ouais, non, mais je sais. Les mots bleus. Mais je sais qu'avec F8, j'avais que comprendre qu'on pouvait refresh. Échappe. Oh, j'ai essayé. j'ai essayé. Tic-tac-tic-tac-touc. Regarde s'il y a moins que je fasse autrement qu'en quittant à l'arrache, quoi. Entrée générale, et je vais regarder. Refresh. Une commande pour refresh. Je crois que c'est la fuite, mais je suis pas sûre. Attends. Alors. Bon bah je sais pas. J'avoue que si je fais fuite, c'est quand même ça. Je vois pas ma souris en fait. La souris est en dessous. Bon, on va devoir quitter, c'est ça?
Écoutez, je vais arrêter la VOD, la première VOD là-dessus. Bisous VOD, on s'arrête sur un freeze. C'est pas grave.